Ben, on commence par une vidéo. Allez, Lou. Allez, c'est parti. Allez! Ah voilà! La boulette! Et Thierry, lui, à l'aise! Et regarde là, Marcel, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la langue! On filme pas là! Bah justement! Une des rares fois où on vous met pied à terre! On vous voit pied à terre! Allez, ça repart! Ah, ici c'est trop bien. Alors profitez, hein, parce que là nous, festival. Je sais pas ce qui se passe. Mais... Voilà, là il y a tous les esclaves. Là demain soir t'es sur un carima de 52 d'argent. Oh putain, non, mais là tu devrais mettre des hamacs aussi, tu sais, tu peux mettre deux niveaux là. Voilà, les mecs c'est. J'y crois pas, regarde-moi ça. 20h30, on va se coucher quoi. Bah oui, normal. Ah ouais, bah moi je vais faire chauffeur, je te dis. Oh putain, ça y est. Allez, ça y est, c'est extinction des feux, putain, faut aller se coucher. Allez, laisse tomber quoi. Et voilà comment ça se passe. On est trop bien. C'est l'idéal. Voilà. Moi aussi un petit peu. Voilà. Et quel temps magnifique. Je vous montre même pas la boxe, c'est tropical. Voilà. On le vit bien en tout cas, c'est génial. Maintenant je fais des films. Ah oui, je te filme là, mon. Ça va, mon. Dis-moi. Ah, ça va bien, hein. Nickel. Hein. Voilà. Bon, je suis là avec une bande de blaireaux, mais sinon, qu'est-ce que je te dis. Voilà. Hein, on fait avec. Ah bah, je suis obligé. C'est moi qui les ai invités, alors. Je peux pas faire autrement. Hein. Donc là, on a le Serfil. Ouais. On voit qu'il est vraiment. Ah, il est bien, là. Ça passe. Ouais, il a sa place. Enchanté. Avec les petits reflets du soleil, ça brille. Mais ça brille, Martial. Laisse tomber. Regarde ça, c'est beau ça. La force tranquille, elle est là. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça y est. On a des petites conditions. Tranquille. Ouais. Oh putain. Attends. Faudrait pas que je me... Sa gueule. J'essaye de filmer tout le monde, mais... On est quand même sur des zones, bon... C'est pas la meilleure zone, on va dire, pour filmer. Et en plus, j'ai le frein avant. Parfait pour les descentes. Bon, je vais les laisser.
C'est joli. Allez-y, passez. Allez-y, passez comme ça. Ah bah. Fais gaffe. J'essaye. C'est pas grave. Eh oui. Et personne annonce, hein, bien sûr. Bah non, vous l'avez filmé. C'est normal, fallait qu'on filme. Tu sens la circulation du sang là d'un coup avec les orties? Elles étaient sèches. Moi j'ai des. Merci les gars. Avancez les gars. Ah, comme ça bouchonne, les gars. Bon, on est un peu dans la verdure aussi. Si c'est pas sympa, ça. Le problème, c'est que je suis sur le frein avant, ça gêne un peu pour filmer. Vous m'en voudrez pas, je vais changer. On se rend pas bien compte de comment c'est un trou.
Là on est sur le plateau. Sablonneux, vent dans le dos. Regarde ça. Je sais pas si ça prend mais bon. Voilà. À gauche. Merci, Rocky. Bon, là, c'est moins joli. Bon, c'est pas grave. Un petit peu de route. Forcément, quand je filme, on y voit que je... ça freine, tu sens le frein avant. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Allez, tu filmes. Allez, je filme, je vous filme là, allez-y, allez, puis après je passerai en dernier. On filme quand on tombe dans la mare. Ah bah aussi hein. Ah, ah moi ce merdier, ah voilà l'expédition. Bon, là, bon, yes. Allez-y les jeunes.
Voilà comment ça se passe. Tranquillou. Nickel. Change un peu de groupe pour se faire un peu des vidéos. Voilà, tranquillou. Profitez un peu de la nature, quoi. C'est quand même plus sympa. De voir un peu ce qu'on fait. Dans les plaques et tout, voilà, c'est ça qui est bon. Bon, allez, on va arrêter parce que je change de droit. Voilà, petit passage dans la petite forêt. Pff, sympa tout ça. Voilà, parti là, parti là-bas. Donc on a le Marcel, le Thierry, le Hervé, l'autre Thierry, Martial, David, le service qui était devant tout à l'heure. Mais suite à une intersection mal expliquée, voilà, on a changé de position en fait. Et c'est vrai que dans une heure, on n'a plus le soleil. Non, mais on ne savait pas où on était. Mais c'est très bien, là. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, regarde. J'ai mis le truc au milieu. Regarde. L'ombre est à reculer, tu vois. Donc le soleil part là-bas. Une machine à vapeur, là-bas ? Non, il y a...
Ah non, bah là je fais une petite vidéo, on est à l'arrêt, et voilà. On est à la plage, regarde. Putain. Et les mecs, ça te vend du rêve et tout, ah, ouais. Ah, on va donner. Ah, on donne là. Ah, moi j'aime les raids BDT. Hein. C'est vrai que c'est pas mal quand même. C'est la première fois qu'on a autant mal aux jambes. Hein. Ah ouais, là. Le problème, c'est quand tu prends l'habitude de. Il va falloir réclamer. Attention, attention. Il nous sort une théorie. Il faut l'écouter, là. Bah oui. Si tu n'écoutes pas le tché, tu vas t'en prendre une après. Qu'est-ce que tu dis, le tché? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il va falloir qu'il prévoie toutes les années un petit break piscine. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, je te jure. J'en étais sûr, de toute façon. Tu vas voir qu'il va nous augmenter. Il va en profiter pour augmenter la cotisation. Et soir, c'est pas de déni. Ouais. Ça, on va. Parce que j'ai entendu qu'en 93, il y avait des trucs, putain, avec la SNCF. Ça cartonnait, hein. Ça, c'était avant, par contre. D'ailleurs, on se prépare pour le triathlon l'année prochaine. Regarde ça, putain, Thierry. Toi, tu devrais faire du triathlon, Thierry. Hein? On te mettra à la nage. Sur le ventre, sur le dos. Putain. Les lunettes, la casquette, tout parfait. Le dauphin m'a tes vins. Bon, allez. Regarde le cul, ah bah ouais, c'est bien parti. Voilà, voilà comment ça se passe. Putain, les gonzes. Ils font même pas de test, rien, ça part à l'aventure. Allez. Ça y est, on a fait un coccyx. Allez. Allez. Deuxième essai. Et là. Et là. Regarde ma gueule. Regarde le fer. Eh, hey, t'as pris du poids, hein. Putain, les lasagnes, ça profite, hein. Oh. Faut y arrêter la lasagne. Il va se casser contre le poteau là. Oh putain, oh putain. Poum. Oh putain. Joli. Bravo. Là la rupture. Putain. Allez chercher du frêne. Faut qu'on refasse un fémur, un tibia, il y a du boulot là. Là, il y aura peut-être un coccyx, remarque. Je pense plutôt moi pour un coccyx. Putain, regarde la maman à côté, là, elle regarde les athlètes, elle peut plus. Il y a des Chip and Dale en vacances. Regarde le fer, attention. Allez, vas-y. J'attends j'attends l'uppercut là. Allez, n'aie pas peur. Allez, n'aie pas peur, Pat. Voilà, ouais. Couché, le bouche, machin, il touche par terre, regarde. Regarde le truc. C'est bon, ah bah. Ça va y aller, hein. Mets de lui là. Ouais, voilà, c'est encore mieux là. Oh putain, alors là, c'est pas le fémur qu'on va avoir, c'est la cheville, l'épaule, il y a tout là. Il va juste pas toucher dans le trou là, c'est tout. Ce soir, pas de crêpes. Putain, il va la fusiller la machine. Voilà. Il va là-bas au bout. Joli. Hop. Aventurier quand même. Ah, il y a quand même, ouais. Et il y a de la force spéciale là. Pas mal, ouais, on sent. Ce soir, il y a un match. Qu'est-ce qu'ils font, les gonzes? Ils tirent carrément le fil jusqu'à la parabole de la gérante pour regarder le match. Eh oui, mais voilà comment ça se passe. Là, il se fait charger. Là, on va se prendre un. Oh, il est énervé, lui, hein? Non?
Ah ben là, il sent qu'il y a des bouffeurs de viande. Pourquoi tu l'as énervé? Il sent qu'il y a un bouffeur de barbac là. Ouais, là. Oh, des belles cordes, hein. Ah, oui. Tu aimes la côte de bœuf, hein. Vas-y, rentre dans le champ, c'est un homme. Et qu'est-ce qu'il fait, ça, il a craqué ou quoi? Oui, il a craqué, je le filme. Il a craqué. D'accord. Je filme le craquage. Ah, mais les mecs, ils sont complètement cintrés, en fait. Excellent, bravo! Bravo! À vous, les filles! Bravo, les filles!